pratiquement. Et à partir de là, ben, on s'est dit, il faut peut-être creuser pourquoi tu pleures. C'est ça. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et donc, l'année dernière, enfin, ouais, l'année dernière, 2020, a été l'année, donc du début de la transformation, on va dire, un chaos émotionnel, gros chaos émotionnel, parce que donc, j'ai fait des stages qui s'appellent Femmes sauvages. Parce que en fait, je voulais libérer la femme qui est en moi. Alors, je ne te dis pas. A été émotionnellement parlant, la tristesse, la joie, la colère, tout est sorti. J'ai rien géré. J'ai rien géré parce que je suis quelqu'un donc, qui suis hypersensible et qui n'arrive pas à gérer mes émotions, justement. Donc, tout est parti en live. Je me suis séparée, j'ai remis mon boulot en question, tout. Et tu arrives à fin 2020 où tu es en pleine dépression. Tu te dis, bon, pourquoi j'ai fait tout ça? Et là, tu te dis, bon, il faut vraiment que je me pose sur moi, quoi. Il y a un truc qui ne va vraiment pas. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite pause un peu avec le chamanisme parce que l'avantage du chamanisme, si tu veux, c'est que ça bouscule énormément. Donc, ça va très vite. Mais derrière, après, il faut prendre le temps, comme on dit, C'est d'intégrer et ça. de trouver tes solutions. Voilà. Donc, c'est génial, hein, en soi. C'est génial. Je regrette absolument rien. Mais là, je sais que, voilà, moi, je vais avoir une phase, si tu veux, un petit peu De pause d'introspection, intégration, quoi. voilà, d'intégration. Et OK. donc là, maintenant j'utilise l'hypnothérapie. OK. Et c'est très bien, c'est génial. Parce que donc, ce qui est vraiment ressorti, c'est que en fait, je ne m'occupais pas de moi. Je m'occupais tout le temps des autres, mais jamais de moi. Et que j'ai un problème de reconnaissance par les hommes, donc dû à mon papa. Il ne l'a pas fait volontairement, hein, c'était Non, voilà. inconsciemment. Donc voilà, c'est tracé, c'est en moi, enfin, c'est marqué, c'est en moi. Donc je travaille tout ça, mais voilà, il fallait trouver l'outil pour travailler tout ça. Et j'ai essayé, bon, la méditation, ça c'est indéniable. De toute façon, moi c'est tous les jours, hein, de la méditation. Le yoga, c'est pareil. Et il y avait quand même quelque chose qui était vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est ouais, une empreinte, c'est en toi, quoi. Et là, l'hypnothérapie, pour ça, c'est. Enfin, pour moi, hein, parce que tout le monde n'adhère pas à cet outil-là. On est d'accord. C'est vraiment le travail. Alors, je t'explique que c'est. Or, je te dis tout, hein, je déballe tout. Hein. Ouais, J'ai des exercices à faire, il faut que je me dise je m'aime devant la glace. Et donc, tant que je n'ai pas pleuré, c'est que ça ne va pas. Et jusqu'à maintenant, je suis morte de rire. Quand je me dis je t'aime devant la glace, je suis morte de rire. Donc, il y a encore un petit peu de boulot. vas-y. Encore du Et chemin. voilà, après, là, il faut vraiment que je m'occupe de moi, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que ouais, adhérer à ton truc, l'idée était géniale, ça m'a attiré vachement. Donc je fais beaucoup les choses parce que ça m'attire. Après, voilà, il y a des moments où je vais reculer quand même, forcément. Mais au bout d'un moment, là, je travaille sur moi, donc je suis sur la prise de confiance en moi. Donc je me dis, si je franchis pas ce cap, est-ce que j'aurai ma réponse, si j'ai bien avancé ou pas? Donc c'était l'occasion, ton truc là, de voir si j'avais avancé, C'est ça, de faire effectivement. un petit pas en plus, quoi. Donc pour te Ouais, conforter dans voilà, l'idée c'est ça. y avait effectivement des choses qui bougeaient, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est OK. ça. Je trouve ça super intéressant ce que tu partages, Aurélie, par rapport, tu vois, au fait que bah, tu as essayé plusieurs choses, du coup. Ouais. Et vraiment, ce truc, comme tu disais, d'avoir cette lucidité sur le fait de dire, bah, voilà, toi, t'as le chamanisme et l'hypnothérapie, bah, ça a été deux outils ou deux approches, on va dire ça comme ça, parce que outils, je trouve que le mot n'est pas… voilà, deux approches qui toi, t'ont aidé. Et que bah, qui sont propres à toi et à ce qui te convient à toi par rapport à ta personnalité, par rapport à ton histoire, etc. Et Exactement. ça, je trouve ça super intéressant côté cette lucidité parce qu'il y a un peu, toi, parfois, cette tendance de dire ah, bah, la solution qui a fonctionné Ouais, pour moi, non. c'est ça, donc tout le monde devrait connaître ce truc-là. Mais souvent, bah, ça va dépendre un petit peu de bah, justement de chaque personne et de son histoire. Et du coup, De ton justement, en histoire. parlant d'histoire, est-ce que tu peux, enfin, oui, hein, tu peux, puisque tu as dit déjà oui, et que tu as Je déjà peux. commencé à la raconter un petit peu, mais ouais, raconte-nous un petit peu, Aurélie, ton histoire, tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, et tu l'arrêtes où tu veux aussi. Et ce qui moi m'intéresse particulièrement, c'est justement bah, à travers ton histoire de voir bah, quels sont les apprentissages de sagesse que tu en as retirés aussi. Donc voilà, et on a le temps. Ouais, on a le temps.
Tout à l'heure, je t'ai parlé de mon burn-out qui a été le déclencheur, en fait. Mais mon histoire, j'ai presque envie de te la raconter finalement à partir de l'année dernière, parce que c'est là que vraiment tous les apprentissages se sont faits finalement. Donc, c'est ce que je te disais, c'est avoir cette sensation de vouloir s'en sortir, de vouloir avoir les réponses à pourquoi je suis triste. Moi, je ne m'épanouis pas dans ma vie. Et pourtant, j'avais tout pour être heureuse, hein, mari, des enfants, un boulot, voilà, au niveau matériel, voilà, un confort, une zone de confort. Mais toujours quelque chose qui n'allait pas au fond de moi, et à chaque fois donc, que je faisais ce qu'on appelle un voyage chamanique, donc avec des tambours, donc tu connectes avec ton toit, je pleurais. Je pleurais. Donc là, c'est là que tu te dis, bon, mais il y a un truc à faire. Et comme c'est beaucoup les femmes à l'heure actuelle qui ont tendance quand même à aller vers le développement, enfin, bon, dans mon milieu à moi, en tout cas, enfin, dans mon environnement à moi. Donc, j'ai, voilà, femme sauvage, ça me parlait. Je me disais, ça va faire sortir un peu mon côté, voilà, je vais y aller. J'y suis allée. Donc, c'est là qu'a démarré le chaos émotionnel. Donc, le chaos émotionnel, ça a été, donc, c'est l'euphorie. Tu retombes, et tu ne sais pas trop pourquoi, et puis tu rencontres des gens, et puis tu plais à des gens, et ça devient n'importe quoi, tu fonces dans tout, enfin, tout. C'était, je peux pas préciser autrement que te dire ça. Je fonçais dans tout, une vraie boule de flipper. D'ailleurs, je faisais peur à tout le monde. Oui, tellement bien que je faisais peur à tout le monde. Donc, j'ai fait du mal autour de moi, bien sûr. Sauf que, donc, arrive fin 2020, où là, donc, c'est toi qui as mal. C'est moi qui ai mal. Tu te rends compte les dégâts. Et là, tu te dis, bon. Je m'éparpille beaucoup, par contre, voilà. Donc, finalement, je m'éparpille, je ne trouve pas le fil directeur en moi, donc il faut que je me pose. Et du coup, après quelques mois là, de réflexion et d'idées, donc, un peu d'hypnothérapie, etc., j'en arrive donc à me dire, c'est donc mon fil directeur, c'est l'amour, c'est ça. Donc, c'est l'amour, je cherche l'amour. Mais je cherche l'amour d'un homme, d'accord, ok. Mais en fait, au bout d'un moment, tu rencontres des hommes, ça se passe bien, on se plante. Et là, tu pleures. Et en fait, au bout du compte, tu arrives à te dire, ben non, c'est l'amour de toi que tu cherches. Tu as aimé toi. Donc, voilà. Et tu continues à, voilà, avancer là-dedans. Tu te dis, bon, mais pendant quelques temps, je vais laisser un petit peu les hommes de côté et je vais m'occuper de moi. Voilà. Voilà un petit peu. Et par contre, j'ai toujours ce besoin, et ça m'aide d'ailleurs, là par contre, maintenant, je peux dire que ça m'aide, de partager avec eux, parce qu'à travers eux, j'apprends à me connaître. D'accord. Ouais, oui. Mais par des échanges, donc ça s'arrête à Messenger, ça s'arrête, on ne se voit pas. Il n'y a pas le risque que je fonde ah, ouais, super, voilà, parce que je suis comme ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, je m'arrête au Messenger. Et effectivement, ça m'apporte énormément. Et aujourd'hui, j'ai donc la mission pour moi de me définir avec 100 mots, MOT. Okay. Et j'en suis au 34e. Je suis encore en tête. Mais c'est génial. Tu te réveilles le matin. Voilà, en fait, tu te dis, mais c'est ça, en fait, la vie. C'est... Et tu te lèves le matin, c'est ouais, je me sens comment aujourd'hui, je vais faire quoi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va m'arriver qui va finalement me donner envie d'aller encore plus loin, mais pour moi, pas pour les autres. C'est ça. Ok, ouais. Donc, tu es vraiment dans cette démarche, j'entends, donc super intéressant aussi. Donc, j'entends dans ton apprentissage, du coup, que. Il y a vraiment cette notion que d'abord, tu as une recherche, on va dire, tournée vers l'extérieur. Et là, voilà, t'es dans un chaos émotionnel, hein, tu disais. Donc, du coup, voilà, dans la réaction. Et puis là, de ce que je comprends, c'est que bah, voilà, il y a une sorte de prise de conscience qui est faite, une prise de responsabilité aussi par rapport au fait de dire, bon, bah, l'amour, en fait, il n'est pas à l'extérieur. Je vais d'abord commencer par l'intérieur, je veux dire ça comme ça, de l'intérieur, de moi à moi. Et tu peux m'en dire un peu plus avec cette, j'ai l'impression que c'est un peu un défi ou cette mission, comme tu le définis, de dire, OK, je me définis en 100 mots, MOTS. Ouais.
Donc, c'est-à-dire, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ça m'intéresse. Mais en fait, donc ça, c'est via l'hypnothérapie. Hein, donc, c'est mon hypnothérapeute qui m'a dit, allez, on va faire ce petit exercice-là. OK. Et en fait, je suis quelqu'un qui pense énormément. Par contre, là, je réfléchis beaucoup. Donc, c'est ce que on m'a souvent reproché, d'ailleurs, dans mes relations, de trop réfléchir. Mais donc là, tu te remets en question. Tu essaies de te changer, entre guillemets. Mais en fait, il ne faut pas changer. Ce n'est pas le but. C'est juste essayer de comprendre pourquoi on réfléchit tout le temps. Et en fait, c'est dû à mon hypersensibilité. En fait, je suis comme ça. Donc OK, bon, ben, j'en profite. Puisque je réfléchis tout le temps, ben, chaque fois que je pense à un truc, paf, je le note. Et comme là, effectivement, mon subconscient sait que c'est pour moi que je réfléchis, ben, chaque fois qu'il me vient un truc à l'esprit qui me concerne, tac, je le note. Uh-huh. Et voilà, donc il en ressort aussi quelqu'un d'exigeant, que j'aime les hommes, tu veux que je te fasse un petit tour, je vais pas te dire les 34 mots quand même, mais voilà, peut-être quand même. Donc après, je suis quelqu'un, ouais, qui perd dans les émotions, quelqu'un qui par contre va avoir le cœur sur la main, voilà, c'est ça. Un animal, un petit oiseau blessé, ben oh, je vais fondre. L'autre fois, je décollais avec un copain, un pissenlit, waouh, ouais, mais il est trop beau, ce pissenlit, quoi. C'est vraiment monté dans l'extrême, quoi. C'est ça. Ben voilà, c'est un peu. Mais okay. Voilà, donc, c'est du coup, en fait, c'est ça. Donc, tu compiles, en fait, si j'entends, ouais. Tu compiles des mots qui te définissent, mais que tu te. Donc, genre, comme que tu te définis. Que tu te reconnais, on va dire ça comme ça. Ouais. Ou est-ce que ouais. C'est des choses où tu te dis, j'aimerais être plus comme ça? Tu vois, dans la définition des 100 mots, oui. Je me pose la question parce qu'il y a aussi cette notion, parce que c'est comme une identité que tu mets en conscience, je vais dire ça un peu comme ça, avec ces mots, j'ai l'impression que tu, voilà, tu dis, OK, je suis exigeante, je suis amoureuse des hommes, je suis généreuse, je suis sensible, etc. Enfin, donc, ça te permet d'avoir une sorte de mosaïque de qui tu es. Mais je me demandais, est-ce que dans cette mosaïque, tu es juste dans la recherche de définir qui tu es d'après tes observations actuelles? Ou est-ce que c'est j'aimerais être dans un an, tu vois, on se croise et je te dis, OK, Aurélie, dis-moi qui tu es aujourd'hui. Et tu vas me dire, ah bah Sandra, écoute, il y a un an, j'étais cette personne-là. Aujourd'hui, je suis cette personne-là. Et donc, est-ce que c'est dans cette démarche-là aussi, les 100 mots? Je suis curieuse. C'est plus dans ce sens-là, ouais. Avant, je me serais définie comme ça parce que j'étais beaucoup plus dans le contrôle, finalement. Et puis, j'ai vécu toute ma vie en voulant être la femme parfaite, la fille parfaite d'abord, la femme parfaite ensuite, la mère parfaite, donc toujours pour les autres. Donc là, oui, je me serais définie comme ça avant. Par contre, maintenant que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi, ben, ce qui sort, c'est vraiment ce qui est en moi. Et quand je le mets sur le papier, ce n'est pas à me dire oh « ouais, mais non, ça ne fait pas bien, quoi ». Non, non, quand je le mets sur le papier, c'est je le souligne même, tu vois, je le surligne. Et je ne suis pas revenue. Alors qu'avant, je revenais tout le temps sur les trucs, tu vois. Je relisais, ah ouais, mais non, mais ça va. Non, là, c'est mes mots viennent au fur et à mesure, mais ma définition vient au fur et à mesure, et j'y reviens pas dessus. Et quand je la relis, oui, c'est ça. Ça sonne juste, pas. Ouais, c'est ça. Okay. Ah ouais, non, ça sonne juste, exactement. D'accord. Ok. Donc j'entends qu'en fait, tu parlais aussi d'un burn-out il y a 5 ans, c'est ça? Qui est avant le stage chamanique et tout ça. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus ou... Oui, oui, parce que par contre, là, si j'avais même des conseils à donner, c'est un burn-out. Donc, c'est vrai, décacher, parce qu'il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, faire former un peu l'anxiété. Ça, oui, mais à faible dose et pas trop longtemps. Seulement c'est vrai que s'il n'y a pas de suivi derrière, ben, les gâchés, ça ne suffira pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de suivi en fait derrière. Donc, si tu veux, tu te débrouilles encore une fois toute seule avec tes mots, M-A-U-X. Ouais. Et je te dis, c'est la coïncidence. Mais bon, moi pour moi, la vie, c'est rien ne se fait par hasard. Et donc, moi, les expériences, je les prends toujours à fond. Donc, c'est le chamanisme qui s'est présenté à moi. D'accord. Et c'est vrai que ce principe de tambour, de rituel, de connexion avec la nature, tout ça, ça m'a vachement parlé. Donc, moi, je veux dire, me balader pieds nus dans la nature, danser, ça me choquait pas, quoi. Après, je l'ai fait avec des copines, tu vois, qui ont par contre beaucoup moins adhéré.
Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit chacun adhère le sang, quoi. Donc voilà. Donc le chamanisme, en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que ça a débloqué, voilà, débloqué mes peurs. En fait, ce qui était bloqué en moi, c'est débloqué. Mais après, maintenant, voilà, il faut les traiter. Le truc, il est là. Enfin, les traiter. Quand j'ai les traités, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais faut vivre, faut les accepter déjà. Voilà, ça c'est quelque chose de très très difficile, les accepter. Mais quand même, une fois que tu les as acceptés, après, tu arrives à vivre complètement différemment et qu'elles reviennent, hein, mais c'est furtif. Alors qu'avant, la peur revenait et bloquée, tu n'avançais plus. Là, la peur, elle vient. Ouais, c'est vrai, tu es encore là. Ben ouais, ben écoute, coucou. Et puis, hop, je continue. Ok. Tu m'empêcheras pas de continuer de gravir mes escaliers. Et voilà, donc, ouais, c'est chouette. Et l'avantage du chamanisme, pour moi, c'est que ça va vite. Je suis quand même quelqu'un après d'assez speed. Et enfin, sans parler. Mais j'aime bien quand même que les choses avancent. J'aime pas m'enfoncer dans la tristesse. Parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux de base. Donc, la tristesse, pour moi, c'est pas en accord avec moi. Donc, à un moment ou à un autre, je peux pas rester dans la tristesse. Il faut que j'avance. D'accord. Donc, voilà. Et le chamanisme fait avancer très rapidement. Ça, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'ai envie de te poser la question justement, qu'est-ce qui t'anime à avancer ou c'est quoi ton idéal quelque part? C'est quoi ta... Ouais. Réaliser mes rêves de gosse. Ah, réaliser tes rêves de gosse, ok. Tu peux nous en dire plus du coup? C'est avec le sourire que tu me présentes là, j'ai envie d'en savoir plus. J'en ai deux grands de faire un rêve de gosse. Donc, le premier, donc, c'était trouver le prince charmant. Bon, ça, on l'a tous, toutes, je pense. Voilà. Donc, mais là, pour l'instant, j'ai compris que ce n'était pas la priorité. Et puis, bon, après, voilà. De mon côté personnel, j'ai des choses à résoudre avant ça. Et mon deuxième rêve de gosse, c'était créer un village vacances avec des enfants qui courent partout. J'ai toujours eu ça en tête. Donc, mes parents sont dans le tourisme à la base, donc c'est quand même, voilà, anodin. Et j'ai toujours eu ce rêve. Mais voilà, depuis l'âge de 10 ans peut-être, donc j'ai 43 ans et toujours rien ne s'est fait. Mais sauf que là, ça avance, figure-toi. Voilà, tout arrive en temps, en heure. Tout arrive en temps et en heure. Et en fait, donc, j'ai un enfant dyslexique qui a des orthographies dysgraphiques et un autre qui a haut potentiel. Donc, comment tu fais quand tes parents, quand ça t'arrive, tu n'as pas la recette au départ. Donc, je cherche, parce que je cherche, je trouve des solutions pour mon grand. Donc, on arrive à avancer tant bien que mal. Là, j'ai le deuxième qui arrive. Donc, là, attention, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut encore chercher. Et dans ma recherche de moi, j'étais là, bon, mais les choses se sont mises en lien, si tu veux. Et moi, j'ai dit, bon, mais le village avec des enfants qui ne peut pas être un village pour des enfants en difficulté. Ouais. Ça ne peut pas être ça, finalement. Et là, tu commences à en parler avec des gens autour de toi. Et là, on te dit, ouais, mais il y a un besoin, mais c'est un truc de fou, mais Aurélie, mais tu as une idée. Ouais, ben là, il dit ça pour me faire plaisir, voilà, ça. Et en fait, ça fait qu'une semaine. Hein. Je parle de ça, ça fait qu'une semaine. Et en une semaine, tu ne peux pas t'imaginer à la vitesse où ça va. À la vitesse où ça va. Donc, du coup, mon deuxième rêve de gosse, lui, va se réaliser donc, en premier, puisque finalement, pour son épanouissement personnel, il faut effectivement commencer par t'aimer soi, faire ce qu'on a envie de faire depuis, voilà. Et le reste vient après, l'amour avec un homme, viendra après. Donc ça, c'est ma conclusion à moi, hein, d'accord. Et donc voilà, donc du coup, je vais créer une association d'enfants 10 en partenariat avec les professionnels d'IME, d'ALAPI, etc., qui enverront ces enfants-là en stage, en séjour vacances, hein, chez moi. Et avec des thérapeutes qui interviendront pour ces enfants, pour les aider un peu à mettre des mots, toujours pareil, sur pourquoi ils sont comme ça, et à les aider à avancer. C'est ça. Leur offrir un soutien, donc du coup, j'entends quelque chose, donc par des professionnels qui sont là et qui peuvent, du coup, qui comprennent vraiment, on va dire, les problématiques spécifiques aux enfants 10, c'est ça. Et ce sera que les enfants 10, ou parce que tu parlais aussi de haut potentiel, donc où est-ce que c'est vraiment plus axé sur... Il y aura les hauts potentiels, mais à aujourd'hui, en France, au niveau administratif, les hauts potentiels ne sont pas reconnus. Ah, donc, d'accord. Du coup, on part sur l'agrément 10, si
tu veux, mais les hauts potentiels, bien sûr, parce qu'en plus, c'est majoritairement des hauts potentiels à l'heure actuelle. Donc voilà, et puis bon, c'est en même temps, on veut proposer aussi des choses aux parents parce que voilà, y a beaucoup de parents qui sont complètement désemparés, qui ne savent pas comment, pouvoir leur donner les infos, les outils. Parce que voilà, plutôt que de sombrer, ben pareil, dans la tristesse et dans l'incompréhension totale, voilà, l'objectif, il est là. Parce que moi, en fait, voilà, j'ai été dans cette phase-là, en fait, finalement. C'est ça. Et j'aurais aimé. Alors, j'ai eu, alors, toujours pareil, la chance de toujours croiser les bonnes personnes au bon moment. Ils m'ont donc aidé à avancer, bien sûr. Et c'est là, aujourd'hui, je me dis, ben, peut-être qu'il est, c'est ça, en fait, qui est en toi, c'est. Pouvoir retransmettre, en fait, pouvoir transmettre, voilà, à des gens qui sont. Et puis en plus, nous, on est en campagne, donc on n'est pas forcément bien informés. C'est dans les grandes villes, ça a déjà bien avancé, mais nous, on est vraiment dans des toutes petites campagnes, donc on est complètement isolés. Donc voilà, mais mon cheminement a commencé par une association d'événementiel pour que les thérapeutes du Cantal puissent se faire connaître. Et finalement, j'en arrive à une structure d'accueil pour les enfants 10 et que les thérapeutes interviennent. Ben, J'en c'est ça. arrive là. Et là, ouais, et là par contre, tu vois, là je rayonne. J'allais Là dire, je là, fais. le sourire est éloquent, on va dire ça comme ça. Ah ouais, là tu oublies ça, là tu oublies que t'as plus confiance en toi, là. Ouais, c'est ça, là tu penses. Mais c'est super intéressant parce que du coup, c'est vraiment donc ce que j'entends, c'est que voilà, t'es en chemin vers du coup ton, comme tu dis, tes rêves d'enfant. Ouais. Et que c'est super intéressant aussi que tu nous partages que bah, en gros, en une semaine, il y a plein de choses qui ont bougé, juste Ah de t'autoriser à en parler, on va dire ça comme ça, à certaines personnes, et qu'après, d'un coup, ça prenne forme, quoi, si j'entends bien. ouais. C'est ça. C'est ça. C'est C'est ça. top, 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 top. Ce qu'il faut avoir conscience surtout, c'est que finalement, son rêve de gosse, il est défini d'une certaine façon. Et finalement, regarde, en 30 ans, il a complètement évolué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours l'image des enfants et du village vacances, entre guillemets, mais là, finalement, le pourquoi. Il est plus le même. Ouais, Donc, c'est ça. faut vraiment faire. C'est là qu'il faut être. C'est là que c'est super intéressant, en fait. Et dans le côté un peu, justement, je réfléchis trop, ben, c'est justement, voilà, tiens, il m'arrive ça, là, pourquoi il m'arrive ça? Et le fait de réfléchir et d'essayer de trouver ses propres réponses et de ne pas attendre forcément les réponses des gens. Alors, quand je dis pas attendre les réponses des gens, attention à ce que je dis, mais ce que je te disais, c'est moi, c'est de partager avec les gens. Ça me permet de me poser et de comprendre certaines choses. Ce qu'il y a, c'est que quand les gens te répondent, faut pas se dire, je ne sais pas comment te dire, ouais, c'est lui qui m'a donné la réponse. Non, enfin, lui ou elle, hein, après, hein, c'est pas. C'est cette personne-là qui m'a donné la réponse. Non, dans ce qu'il t'a répondu, qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce qui sonne en toi? Et à un moment, tu ne vas pas trouver la réponse forcément de suite à l'instant T. Moi, j'ai souvent tendance à me poser des questions avant de me coucher. Et le matin, quand je me lève, j'ai toujours mon petit débriefing toute seule dans mon lit, là, tu sais, pendant une petite demi-heure. C'est stratégique, maintenant, je me réveille assez tôt pour pas arriver en retard au boulot. Et j'ai mon petit débriefing toute seule. Et là, tu te lèves, tu as le sourire et tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai mes réponses. C'est ça, ok. Et tu passes une journée extraordinaire, en général. Okay. Du coup, parce que tu parlais de cette importance pour toi justement de transmettre et ça fait partie bah, justement des comment des je veux dire des valeurs importantes pour les personnes que j'invite sur le podcast, cette envie de transmettre justement de partager Ouais. finalement leurs apprentissages et bah, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre justement ou de leur partager par rapport à bah, à ton histoire unique et singulière à toi et de dire ok ben si il y avait une chose que j'avais vraiment envie de partager ou même des tu vois des pistes par rapport à des choses qui t'ont toi permis justement d'avancer ce serait quoi? Plusieurs choses, je pense. Déjà, accepter qu'on ne peut pas contrôler sa vie, déjà. Voilà. Accepter que mais quand ça ne va pas comme on voudrait, c'est que justement, il faut se poser et se poser les bonnes questions. Alors, quand je dis se poser les bonnes questions, ce n'est pas, bon, il y a une méthode, un machin, ce n'est pas ça. C'est vraiment arriver à se centrer sur soi
et pas hésiter à utiliser tout ce qui est justement méditation, tout ça, parce que notre mental, il vous aide, le mental, il n'aide pas, enfin, il n'aide pas. Le mental, on en a besoin, mais à un moment ou à un autre, notre mental, on est toujours dans le contrôle. Et aujourd'hui, si on veut avancer et arriver à se lever le matin avec un méga sourire, mais un sourire, comment dirais-je, vrai. Ah, un sourire, allez, il faut que je souris ce matin, tu vois. Sourire vrai, ben, la méditation aide énormément. Les gens qui, je ne sais pas, c'est de vous dire aussi, c'est vrai que c'est vraiment plus important, c'est s'aimer soi, quoi. C'est la priorité. On ne s'aime pas soi. On avance, bien sûr, on vit nos vies, bien sûr, mais on n'est pas heureux, c'est pas vrai. Pas vraiment. Pas vraiment. La preuve. Pas la preuve. Je ne dis pas que la preuve, parce que si tu veux, je discute avec... Après, je suis quelqu'un qui discute beaucoup, malgré mon manque de confiance en moi, tu vois, je discute énormément. Je partage énormément. Et il y a beaucoup de gens dans mon. On est tous dans le même cadre, de toute façon. On est tous en réflexion sur soi, sur les valeurs de la vie, sur ce qu'on veut, sur. Peut nous faire du bien. Et c'est vrai que le... Ouais, partager, tu vois, voilà. Partager, ne pas hésiter, parce que quand on nous dit, il faut une phase d'introspection, il faut que tu la fasses seule, machin, moi, ça me faisait peur, le mot seul, mais j'étais là, ouais, mais qu'est-ce qu'on me dit, là, mais moi, seule, je ne peux pas, c'est pas possible. Ben, oui, si, seule, tu l'as fait, mais ça ne t'empêche pas de partager. Ça ne t'empêche pas. Au contraire, justement, parce que la solitude, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Donc, la solitude est une peur, encore une fois. Donc, tu te rajoutes encore une peur à tes peurs. Donc, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre d'avoir peur. Donc, voilà. Donc, ben, tu te dis, ben, je vais partager quand même. Mais ce qu'on va me dire, je vais prendre le temps de l'intégrer et je vais prendre le temps de voir ce qui sonne pour moi. Voilà, c'est ça. Ton introspection, c'est tout ça. Enfin, moi, je la vois comme ça. Ok. Du coup, tu dis, voilà, là, ce que tu aurais envie de transmettre, j'entends qu'il y a cette notion aussi d'amour de soi. Est-ce que aujourd'hui, concrètement, il y a des choses que tu fais par rapport à ça qui peuvent aider peut-être des personnes qui sont dans la même problématique et qui se disent, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour s'aimer plus ou s'aimer tout court, en fait. Ouais, il y a plusieurs méthodes. Hein. Après, voilà, chacun. Et alors, moi, je recherche. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Je suis très curieuse, donc je cherche énormément, donc merci Facebook, hein, parce que voilà, on trouve énormément de choses. Après, moi je suis sur des sites, enfin pas des sites, donc des groupes, les empathes, les hypersensibles, donc dans les textes que tu vois, il y a des choses qui te parlent forcément, et dans les outils qu'on propose, enfin, moi je dis moi les outils, mais dans les outils qu'on propose, il y a des choses qui vont parler. Donc, faut pas hésiter effectivement à chercher. C'est pas le mot. C'est faire ses recherches. Parce que moi, je vais te dire des choses qui vont. Ouais, il y a des choses qui vont parler effectivement, mais tout ne va pas correspondre à la personne. Donc après, ah ben tiens, elle a dit ça. Peut-être je vais aller regarder ça. Et voilà. Et de là plus loin. Mais par contre, faut être curieux. Vraiment. C'est là qu'on, ça rejoint ce qu'on nous dit beaucoup en chamanisme, c'est développer son esprit créatif. Voilà, son esprit créatif commence par la curiosité. Et après, tout se décante. Mais tout se décante après. Après, ça se fait naturellement. C'est pas plus compliqué que ça. La seule chose qu'il y a, c'est que même quand on commence à visualiser tout ça et à le comprendre, il y a des moments où on reste quand même bloqué. Et quand on reste bloqué, c'est là que je dis, il faut creuser et se faire aider en l'occurrence. Donc, via le chamanisme, l'hypnothérapie, plein de choses, quoi. Il faut chercher ton outil. Le seul chose qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai un conseil à donner, c'est dans tous ces trucs-là, ne pas aller taper n'importe où, avoir aller plus dans le bouche à oreille, c'est-à-dire, voilà, tiens, moi, j'ai fait ça, donc je te conseille lui ou elle, mais ne pas, parce que bon, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des gens qui profitent de la situation. Et moi, voilà, si je vous le dis, c'est pour c'est parce que c'est du vécu dans mon entourage voilà, ça peut être après donc ne pas aller n'importe où, ne pas hésiter à prendre contact avec les gens qui vous ont dit ça et dire bon toi tu vas chez qui, et voilà, c'est plus comme ça que ça marche, quoi. Ok, ouais,
Et du coup, Aurélie, quand toi, justement, tu es dans un moment un peu comme ça, enfin, tu nous as parlé de chaos émotionnel, voilà, quand tu es dans un moment un peu comme ça, où tu sens que tu es dans le creux de la vague, on va dire ça comme ça, bah, tu vois, le propos du podcast, c'est aussi la capacité à, tu vois, pour moi, résilience et divergence sont étroitement liées, du coup. Je disais, ben, toi, c'est quoi ta stratégie ou ta qu'est-ce qui quand tu es dans le creux de la vague te permet justement d'aller de l'avant? Est-ce que c'est tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui vont me dire, ben, moi, c'est je vais penser à une personne de ma famille, par exemple, ou alors une citation, tu sais, un genre de mantra comme ça qui revient à l'esprit, voilà, ou d'autres choses. Toi, ce serait quoi ta ou tes stratégies? Parce qu'on n'est pas toujours, enfin, c'est pas toujours le même, forcément, c'est pas forcément la même chose à chaque fois, mais voilà, ce serait quoi, toi, ta ou tes stratégies de divergente? Donc là, quand je suis vraiment dans le chaos, Ouais. je prends une phase seule où j'ai besoin quand même de communiquer trop, parce que D'accord. justement après je reçois toutes les émotions encore plus des autres, donc c'est encore plus compliqué, c'est plus les miennes ou plus que les miennes. Je vais dans la nature. Donc ça, moi j'ai l'avantage d'être à la campagne, je sors de la maison, je suis dessus dans les bois. Donc, je vais beaucoup dans la nature, je me connecte aux arbres. Donc, quand je dis je me connecte aux arbres, en fait, je m'assieds au pied d'un arbre. Et là, je pose mes questions et j'attends que ça vienne, j'attends que les réponses viennent. Donc, des fois, je repars, je n'ai aucune réponse. Là, je me dis, bon, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais par contre, si tu ne l'as pas au pied de l'arbre, la réponse, tu les as après dans la journée. Et par contre, je fais beaucoup appel à ma grand-mère. Donc, qui est décédée et je sais qu'il est très très proche de moi encore. Donc, moi je pense à ma grand-mère beaucoup. On a tous un moment ou un autre un référent hein, de toute façon. Hein. Donc voilà. Donc, je pense beaucoup à ma grand-mère et je pose des questions. Hein, et voilà. Et maintenant, alors avant, je voulais la réponse de suite. Toujours dans le... Et maintenant, ben, je sais que si la réponse ne vient pas tout de suite, ben, elle viendra en temps en heure. C'est ça, Mais ok. ouais. Il faut se déconnecter à un moment ou à un autre de la vie de barge qu'on mène, entre guillemets, hein, parce que c'est un peu ça quand même. Surtout depuis Covid, là, c'est quand même très compliqué. Donc, il faut se déconnecter de sa vie matérielle et se connecter plus à la nature et à des valeurs plus sûres, on va dire. Ok, donc j'entends qu'il y a, en tout cas, dans ta stratégie à toi, si tu me corriges, hein, si j'ai pas Non, bien ça. compris, mais j'entends qu'il y a donc, bah, déjà se connecter à la nature dans le sens où tu vas déjà te promener ou respirer, enfin marcher, etc. Voilà. Aller, du coup, aussi, toujours dans le registre, on va dire, naturel, aller quelque part, j'entends demander conseil ou en tout cas poser tes questions auprès Ouais. d'un arbre. Donc, ça reste quand même toujours en lien avec la nature. Et donc, Ouais. ça reste le fil conducteur aussi, ça me fait penser au chamanisme, hein, du coup, cette notion de Bien pouvoir sûr, ben justement oui. Ben oui. de recruter des ressources qui sont de l'environnement. Et alors aussi, voilà, comme tu disais, voilà, une autre stratégie que tu as, du coup, c'est… Faire appel aussi à un référent, comme tu dis, le mien, parce que moi, le mot qui me vient, c'est plutôt mentor, mais c'est ça, c'est une personne qui, bah, pour toi, est Oui, une personne ressource quelque part, mais qu'elle soit là, c'est ça. présente physiquement, on va dire, ou plus, Vraiment, c'est elle-même. Mais en tout cas, j'entends qu'en fait, dans ta stratégie, il y a un peu cette idée de te reconnecter à l'invisible. Est-ce que ouais, c'est correct? Ok. oui, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Ok, intéressant du coup. Ouais. Bah ouais, donc j'ai vraiment cette sensation, en tout cas, dans ce que tu nous partages aujourd'hui, que ton parcours, en tout cas, je trouve super intéressant. Et je suppose que plein de personnes qui t'auront écouté aujourd'hui se seront reconnues sur plein d'aspects également. Parce que, bah, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des phases comme ça dans leur vie de chaos. Puis tu Chaos de parlais tempérament. d'hypersensibilité, tu parlais de haut potentiel, tu parlais de troubles 10, voilà, de tous ces parents, tu vois, qui justement sont un peu désemparés, ils ne savent pas trop comment faire, où trouver l'info, etc.
Je pense que ça a pas mal résonné avec bah, ce type de parents-là, du coup, qui se diront, Ouais, bah, ok, c'est ça. je suis pas seule. Je suis pas seule. Je suis Ah, mais pas non, seule là-dedans. non, on n'est pas seule. Voilà, c'est ça. Et On n'est pas donc, voilà. Et puis, ta proposition, je trouve super intéressante comme ça d'avoir cette discussion sur le chamanisme. C'est hyper intéressant, je trouve. Parce que voilà, ça seule. permet aussi d'avoir des stratégies. Ben, justement, le propos du podcast, c'est de vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Et comme tu parles, d'être curieux Exactement. et de vraiment avoir. Ben, peut-être que le chamanisme ou l'hypnothérapie, ce n'est pas pour tout le monde, mais. Pour ceux, en tout cas, pour Exactement. qui ça a titillé leur curiosité, en tout cas, ton invitation, j'entends, c'est vraiment d'être curieux, de voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est la bonne Voilà. approche ou pas? Ben, c'est chacun est juge, on va dire, de ce qu'il a envie Exactement. d'expérimenter quelque part. Et du coup, ben, voilà, moi, j'en retiens beaucoup de choses, mais si les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, si tu veux, qui ont écouté cette interview, si tu avais une chose. Que tu veux absolument qu'elle retienne de cette interview, ce serait quoi? Le mot Une de la chose. fin. Ouais, une chose que tu as envie vraiment de te dire. Tu vois, genre demain, il y a plus rien qui subsiste de toi, à part une feuille blanche avec quelque chose que tu peux transmettre, justement. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Écoutez. Écoutez. Ouais. Écoutez, ne pas aller contre sa nature, parce que ça fait bien. Ouais, c'est vraiment les deux mots qui me viennent. Hein. J'écoutais. De toute façon, c'est beaucoup ce qui ressort en chamanisme, justement, mais s'écouter, ne pas avoir, enfin, c'est pas ne pas avoir peur, c'est facile à dire ça, mais ouais, s'écouter, s'aimer, s'écouter, quoi. Non, c'est vraiment ce qui me vient tout le temps à l'esprit. Ouais, c'est Il n'y ça, a ces pas autre chose qui deux-là. me vient à l'heure actuelle. Ouais, Ok. s'aimer, s'écouter. Ouais. Ok. Et ouais, vivre au jour le jour et profiter de ce que la vie qu'elle nous apporte, parce que quand on est dans le noir, effectivement, on a l'impression que la vie, elle est contre nous, mais en fait, même dans le noir, elle nous apporte des choses, quoi. Même dans le noir, il y a toujours le signe, il y a toujours un truc. Donc, ouais, voir, voilà, s'écouter et voir. Voir. Voilà, je sais pas Génial. mal. Ok, s'écouter, s'aimer et voir que même dans le Ouais. noir, il y a une petite lumière, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ok, Et mais là, ouais, non, voilà. génial. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Aurélie pour ce partage Merci à toi. aujourd'hui, franchement, que j'ai trouvé hyper intéressant. J'espère que nos auditeurs seront d'accord avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à t'avoir dans ce podcast aujourd'hui. Donc merci encore de Ouais. m'avoir consacré ce temps et de t'être prêtée au jeu. Et avec plaisir. Et Avec plaisir. je te Mais dis c'est chouette ce que tu fais. ah, C'est chouette ce que tu fais. merci. Ouais, je tiens à te le dire. Je tiens à te le dire. Et voilà, c'est parce que tu partages ton énergie, et une très belle énergie en plus. Et c'est touchant. Et c'est vrai que tu mets hyper à l'aise. Donc, t'es bien fait. T'es faite pour ça, c'est vrai. Et franchement, bravo. Je te félicite. Merci beaucoup Aurélie en tout cas pour À toi. ce cadeau que tu me fais. Du coup, j'en suis touchée. Je te remercie. Et puis je te dis du coup à très très bientôt, puisque on reste en contact avec grand grand plaisir. À Ouais, bon, bientôt, à ouais, ciao. bientôt. Salut.